Bonjour les amis, bon allez, j'en ai marre que les gens ils se fassent avoir. J'ai beaucoup de personnes qui me font des retours assez régulièrement de cette tresse qui franchement ne vaut vraiment pas le coup par rapport au prix qui est vraiment excessif. Voilà, la tresse Mad Cat. Surtout évitez cette tresse les amis, elle coûte une fortune et franchement elle vaut rien du tout. Donc là voilà, on a encore un retour d'une personne voilà, qui disait juste voilà, qu'en fait il avait acheté cette tresse. On a vraiment déçu autant par la qualité que par la contenance de la bobine. Erroné, je viens de recevoir trois peines. Donc il a essayé de remplir ses peines avec ça. Il a réussi à remplir un moulinet et demi. Et en fait, il s'est aperçu qu'en mettant cette tresse sur sa bobine, en fait, il y avait quelques défauts. Donc du coup, il a cassé sur des poissons. Voilà, pour finir, je n'ai jamais cassé sur un silure avant d'avoir eu cette tresse. Je déclenche trois départs sur 2 jours et je totalise trois casses. Vraiment inadmissible, surtout pour le prix. J'ai écrit à la marque sans retour également. J'espère que ma publication sera convaincante. Ben bien sûr qu'elle est convaincante, mon ami. Et franchement, les amis, évitez cette marque. Elle est vraiment, vraiment, vraiment pourrie. Et franchement, regardez, vous allez sur AliExpress. Vous avez une tresse à une vingtaine d'euros. C'est la Fishing Corner. Et franchement, jamais eu de casse. Enfin, du moins des casses sur des poissons de 2 mètres comme ça facilement. Donc franchement, 20 euros. Là, vous avez des tresses. Je dis même pas le prix, ça sert à rien. C'est inadmissible.